Lions indomptables du Cameroun, le staff se prononce enfin sur la situation de Aboubakar Vincent. Ce samedi 12 janvier 2024, il était 8h lorsque le team press officer de l'équipe nationale du Cameroun, Thierry Ndo, a fait savoir à la presse que l'attaquant Aboubakar Vincent devait passer une IRM. C'est la première réaction venant de la Fédération camerounaise de football depuis que certains médias ont annoncé que le meilleur buteur de la CAN 2021 au Cameroun s'est blessé à l'entraînement à Yamoussoukro où les Lions indomptables jouent dès lundi prochain leur premier match de la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2024. L'examen que passera l'attaquant de 31 ans ce matin va permettre de déterminer l'étendue de sa blessure. Mais selon une source proche dans la tanière des Lions indomptables, tout porte à croire que le champion d'Afrique 2017 pourrait manquer au moins le premier match du Cameroun contre la Guinée le 15 janvier prochain. Aboubakar Vincent, qui vient de publier un message sur les réseaux sociaux, se veut rassurant et donne rendez-vous exactement dans 7 jours pour son retour dans le groupe. En attendant le résultat définitif des examens, l'équipe du Cameroun effectuera une autre séance d'entraînement à huis clos ce samedi lorsqu'il sera 17h à Yaoundé. Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.